Salut tout le monde, ici Arthas Gaming et on se retrouve en compagnie de A380083, alias A3. Bonjour. Salut, ça va? Alors, ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va bien, on se retrouve pour un épisode de Wondercraft avec... des éveillées volantes. What the fuck? Oups. Mauvaise commande. Voilà. Ah, Wibou. Salut Wibou. Bonjour. Et voilà, on dit que j'ai passé. Et K-Star, alors comment allez-vous vous deux? Ouais, on est ok. Voilà. Et donc, cette série, on est sur un serveur plus gros. Péta, Barthas. Pour la rentrée. Voilà. Et la spécialité. Dis la spécialité à cette saison. La spécialité, c'est que on va pouvoir vous inviter. Oui, en fait, tout le monde. Et tous les abonnés pour venir. Le plongeon d'assassin. Attends, je sens que je me fail. Allez, je vous attends. Je crois que j'ai réussi. Oui, il y a Smart Moving, les gens. Oui, il y a Smart Moving. Moi, je crois que j'ai réussi. Il y a Smart Moving et on s'amuse. Pour ceux qui me demandent, alors cette armure, je l'ai craft avant. Alors, dans la dernière saison, il n'y avait pas le craft, donc je vous montre ça. Voilà. Donc, je crafte le casque. Craft le. Qu'est-ce qu'il y a, Dark? Il a trouvé le moyen de se fail ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est quoi ce bordel? J'ai retiré mon FC. Bref, continuons. Bon, voilà, moi j'ai retiré mon FC. Ça m'a tué ce bordel. Donc, moi également je record si jamais cette saison. Aïe! Moi également je record cette saison, voilà. C'est ça, je l'ai crafté, voilà, je vous montre comment. Donc, ouais. Oh, alors, Arthas et Weeboot se sont fait déjà des armures d'assassin. Mais moi voilà, j'ai... Bah, je viens de lui montrer le craft voilà. Et pour l'armure de Weeboot, allez voir la saison 2. Voilà, est-ce qu'on leur a déjà dit. On leur avait déjà dit les modes? Oui, on leur avait déjà dit dans ma vidéo. D'ailleurs, alors, pour ceux voilà. Qui ont... Je vais d'abord vous montrer le manoir que j'ai construit. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une... 3, voilà. Voilà. Moi, j'ai fait le truc, j'ai fait ça. Alors, si jamais, pour le présentation du modpack, vous devez venir sur ma chaîne, il y a l'épisode 00 que j'ai en ligne. Ça, voilà, du miam miam. Ensuite, attention. Ah oui. Voilà. YOLO. Mais en fait, on peut avancer. Coucou. Bon, on arrête. Ça va démolir nos armures. Voilà, coucou. C'est bon. Allez. Alors ensuite, il y a la salle des coffres. Ouais, d'ailleurs on a fait... J'ai passé une heure à la trier si jamais la salle des coffres. Et de la rotten flesh, voilà. Et de la rotten flesh qui chauffe. Ah bah d'ailleurs elle est bien chauffée, voilà. Là on se demande qui c'est qui a fait chauffer la rotten flesh. Ensuite, si... Une petite salle, hein. Attends. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah, salle secrète. Voilà. Enfin, voilà, donc. J'ai interdiction de les utiliser, c'est juste de la déco, voilà. Ouais. Avec ici Shaker Mac, Arnaud Dorian, Connor Kenway, Altaïr. D'ailleurs. Ensuite, ici Ezio Editore, je sais plus. Voilà. Edward Kuhn, voilà, le père. Et ici, Shaker Mac. Voilà, donc ensuite on manque là-haut et il y a quelque chose de spécial. Attends, je rentre. Donc à 3, en plus, avec Smart Moving, on voit plus vite dans les échelles, c'est vrai. Et les gars, enfin les gens, les abonnés, vous êtes prêts? Attention. Moi je suis en F5, également. Et voilà. Merci Smart Moving qui permet de faire le saut de l'ange. Oh bah j'ai pas réussi moi. Oui, c'est alors, si jamais ça prend pas autant de... si on prend pas des gâchus, c'est qu'on arrive dans les Hay Bay Block. Voilà, Eh, hey, mais laisse à la porte. Alors ici, Shoji Dor, voilà, c'est ma chance. Donc j'ai interdit son tout utilisé ici, c'est juste purement de la déco, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà, c'est juste de la déco. Ouais, c'est juste ici pour de la déco. Hein. Et hey, pas le droit de l'utiliser, c'est juste de la déco. Je saute sur la table. Ah oui, d'accord, regardez un peu à droite là, les morts. Ah, K-Star 10, K-Arthas et Webot 2, moi 0. On voit qu'on avait clair les morts. Mais toi, à un moment donné, tu vas t'en manger. Oui. Voilà, oh, désolé. Vous allez me dire, tu reviens. Vous allez me dire, mais comment t'as fait pour avoir les épées d'Altaïr? Tout simplement, dimension d'Animus. Je vous renvoie à l'épisode 3 de Mode of Craft, saison 2, où on a trouvé un forgeron et qui vendait l'épée d'Altaïr. Et on a un peu rejeté la dimension. Voilà, un peu beaucoup. D'ailleurs, quand on cet épisode là, on a publié l'épisode 4 de Mode of Craft 2 récemment. Ah, voilà. Cette nuit quoi. Donc, voilà, quand on tout. Alors, le portail d'Animus, le portail du Lina. Je les ai éteints. C'est jamais. Oui, ça éteint parce qu'on voulait. En fait, je vais te voir. Arthas, j'ai un cadeau pour toi. Ah,
Alors, ascension numéro 2, un cadeau pour moi. On m'entend pour montrer les trucs. Ouais, mais ça sert à rien, je suis pas idiot, donc... Non. Merci quand même. Voilà, ensuite, on va à l'étage. Donc. Alors, ici, la chambre, la 3, voilà. Hein. Un panneau. Et Arthas, ouais. Viens, monte. Viens, monte à l'escalier. Deuxième étage. J'ai un petit étage. Alors, ensuite, ici, table d'enfant avec en plume. Hein, voilà. Ici, c'est la chambre de l'autre assassin, là, où il bosse. Vraiment vite par rapport à la mienne. Bon, ma mienne en fait y'a rien, c'est juste qu'il y a un étage. Vraiment vite par rapport à la mienne, en fait toutes les maisons, toutes les chambres sont vides par rapport à la mienne, voilà, qu'il y a tout ça. Oui, sauf que moi en plus, moi en fait je vais mettre énormément de machines dans la mienne. Oui, il va y avoir un étage de machines pour que tu aies accès à des machines si y'a besoin. Pour les gens, vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et présentation, vous voulez vous présenter le manoir, voilà, on fait une présentation et on va faire un... Alors, c'est de l'autre côté qui... Ah non, c'est de ce côté-là qui va sortir, c'est vrai. Voilà, donc ce côté, ça a été fait par moi, le chemin par A3. L'autre côté, ça a été fait par A3, c'est lui qui a fait l'entrée, là, vous voyez. Bon. C'est voilà. Pas très discret, mais voilà, pour faire le saut de l'ange. Donc, si jamais j'ai essayé, j'ai bien dit, essayé, il y a un truc là-bas, c'est parce que c'est... J'ai essayé de faire le manoir d'Assassin's Creed 3, c'est-à-dire le domaine d'avant toi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, soyez vraiment, genre, voilà, pour faire... Ne dites pas, ouais, t'es une merde en plus de quoi ce soit, je le sais très bien que je suis plus merde, voilà. Arthas, arrête de démonter. Bon, alors si jamais la rivière, là c'est moi qui l'ai créée et j'ai mis également des plantations, hein. Je veux dire, c'est juste mis, bon, il y a un peu mettre les trucs, quoi. Il y a mon Fastive TK qui accélère tout en fait, c'est la Game Rule Tick, la Random Tick Speed, en quelque sorte. Random Tick Speed. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à 3? Bah, je pense qu'on peut déjà, je vais éliminer de l'obsidienne et on va se faire un mur en obsidienne. Voilà, moi je la fais pas. Celui-là, parce que vous parlez entre vous et puis nous on se balade à côté. Ouais. Alors, si John a des plus chandiams. Voilà, on a des plus chandiams. Voilà, donc. On va. Moi aussi, je vais me faire une armure en obsidienne, mais je vais pas la garder parce que je vais pas. Moi, par contre, je vais mettre une armure. Ah, bah, j'ai sauté. Il y a d'obsidienne ici, Arthas. Oui, mais le problème c'est qu'on peut pas la miner. Moi je vais aller ailleurs. Ouais, bah moi j'ai déjà miné. Hein. Il y a un moment où je sais qu'il y a aussi. Alors je vais quand même mettre ça là. Alors je suis. On a... Alors faut miner. Alors on va juste regarder l'obsi. Alors obsi. Voilà, donc c'est cette armure là. Qu'on aimerait avoir avec. Ah, donc alors ça veut dire. Alors 4, 8, 9. Ouais ben, je vais me faire quelques 3 4 stacks d'opsi, on va se faire des stacks d'opsi hein. Comme ça on a tout de quoi faire. Ouais. Et mon armure d'assassin là je la mettrai dans un armor. Ouais. En fait c'est une très bonne armure de vanilla plus hein, si jamais pour le mode. Voilà. C'est la plus puissante. Non c'est pas la plus puissante du jeu, non, la Magical Crops également. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon c'est la plus puissante de. Non parce qu'il y a mon Dark Steel qui est meilleur. Non, mais c'est... Je te parle de Vanilla Plus, c'est la plus... Oui, c'est la plus puissante. Voilà, qui permet... Voilà. Ouais, c'est des dégâts. D'ailleurs, si jamais on fera des tout en... Ben, on fera des fermes Magical Crops, hein, si jamais. Oui, comme dans la saison 2. Je vous renvoie à bah, mon FAP. Voilà, alors par contre, moi, je ferai un tuto total sur Magical Crops d'ici peu. Pas sur Modercraft, en fait, mais... Un tuto Magical Crops, quoi. Bon, je pense qu'on va se faire l'armure et puis après on va se quitter ici parce que c'est juste un petit épisode de présentation. Voilà, les prochains épisodes, vous inquiétez pas, seront plus longs. Et aujourd'hui c'est juste un petit épisode. Ouais, bah déjà, l'épisode de présentation était déjà un peu plus long que ça, à mon avis. L'épisode de présentation était déjà plus long que ça, à mon avis. Donc épisode 00 sur ma chaîne, si jamais. Voilà. Pour ceux qui veulent. Je vais trouver des achievements assez motivés. Ah bah j'ai trouvé une zone où il y a masse... Aussi. Ouais. Je te dirai à toi après dès que j'ai terminé. Moi je suis en train juste de démolir à 100% de lac d'Opsy. Pareil. Et moi je veux dire, et je rappelle avec Dark, j'avais déjà joué mais avec Vanilla Plus, donc je connais très bien le mode. Pareil. Je veux dire, au niveau des armures, hein, pas autre chose. Et avec Dark, donc sur là, hein, sur le serveur. Et on s'est dit, interdit son rush le mode pack, même s'il est unrushable, on va dire. Il est unrushable, ouais. Pourquoi je ne sais pas, on verra par la suite. Faut ouais. Trop de ressources, même si en fait les ressources on a déjà trop. On a déjà masse ressources, mais bon.
Je n'y savais pas que ton dernier pack avait un tas pour qu'il soit unrushable. Voilà, donc au début c'est moi qui ai mis quelques petits mods et après on a rajouté d'autres mods. J'ai rajouté, j'ai en fait, j'ai, c'est j'ai... surtout à toi en fait. Ça va être soit tu fais moi, tu fais toi, tu fais le pack de base, moi je rajoute mass mode quoi, à peu près. On a rajouté déjà une dizaine, ouais. Mais en fait, on a retiré Dynamic Light, puisqu'on en a pas besoin, mais que ça buguait. Dynamic Light, ça sert à rien. Ouais, c'est un petit peu de ouais, en plus, c'est bugué. Donc, si jamais, je me casse. Moi j'ai déjà plus d'un stack, hein. J'ai déjà un stack et 38. Moi j'ai 44. 40. Ah ouais. Si jamais ce sont bien des pioches en diamant, hein. Ce qui se demande. Juste qu'on a un enchant dessus. C'est pas efficiency. C'est le champ de base efficiency en fait, on a juste mis à fond. Les deux autres qui doivent être en mode, mais qu'est-ce qu'ils disent? Bah Dark encore comprend un peu. Mmh. Tu dois comprendre un peu ce qu'on dit sur Vanilla Plus. Vanilla Plus, ça me dit quelque chose. Sauter sur le serveur de Vice et Assassino. Ouais. On avait Vanilla Plus. Et c'était la... mmh. Pointe, ah ouais, ça nous rajoutait. Ouais, je vois. Des armures en opsi quoi. Et c'est... on avait plus les armures en opsi. Bon, on avait rush l'armure. Terminer l'expansion, mais bon, à part ça, oups, je suis dans la lave. Tu réussis à te dégager de la lave? J'essaye, c'est bon, je suis à 2 coeurs, bon, 3 coeurs. Ah, en plus, moi j'ai mon heal sur la touche Z, j'ai oublié. Je pense jamais j'ai un heal automatique. Et si jamais vous entendez un bruit de fond, je suis vraiment désolé. Tu vois. Ouais, il y a mon sur ma vidéo, hein, c'est Chartas de bruit de ventilo. Oh. Et aussi Shokai, on entend ah, pas. J'ai cru que j'avais craché. Ah. Donc c'est jamais on est 4 pour le moment. On compte beaucoup plus sur le serveur. Il y a 999 slots. Voilà, et en plus, j'ai des vous invitez, vous, les chers petits abonnés et les abonnés d'Afroi, voilà. Alors, si jamais, nous n'avons qu'une semaine en Modercraft, parce qu'après, on passe sur un autre modpack. Voilà. En fait, on va tourner masse épisodes en une semaine, et... J'ai fini de miner, donc du coup, je vais me crafter l'armure. Bah, en fait, on tourne une dizaine d'épisodes dans la semaine. Ça, c'est le minage, hein, voilà. C'est le minage, c'est pas intéressant du tout, en fait. Moi, j'ai déjà fini à peu près une couche d'obsidienne, ou presque, totalement. Bah là, j'ai un stack et je suis en. J'ai deux stacks et 57. Alors, ceux qui se demandent, j'ai le pack de Matox. C'est un pack qui fait. C'est son pack de Matox. Ah Weboot. Ah GG Weboot. Alors là, qu'est-ce qui se passe, l'assassin? L'assassin s'est noyé. Alors si jamais là, j'appuie sur CTRL, donc la touche grab et juste avancer, ça va faire que tous les blocs sont des échelles. Non, c'est beaucoup plus rapide comme ça en fait. Hein. J'avais dit qu'il faudrait faire le code. Voilà, donc on arrive en fait en bas, je vais vous montrer un peu. Parce que cette sortie là est un peu spéciale, c'est d'entrée et sortie un peu. Il y a un bouton derrière ce mur. Et alors ça se referme automatiquement. Je fais ça avant commencer la série. Donc. Je vais crafter l'armure en obsidienne de mon côté. Donc. Je suis en train de la crafter moi. Voilà, donc. Pour ceux qui veulent voir, il va nous falloir des renforces obsidian blocs. Donc ça, donc 4 obsidian pour chacun. Il va nous falloir 1, 2. Il en faut 8. 3, 4. Il en faut 8. 5, 6. 7, 8, effectivement, pas. Il en faut bien 8. J'écoute pas. Hein. Je vais vérifier quand même. Alors, oms. Je vais en crafter pour l'autre assassin, voilà, parce que voilà, ok, il se déberde. C'est normal si vous m'entendez juste manger un peu là. Ouais. Il a je finis de manger ma danette. Il a pas entendu ce que je lui ai dit. T'as dit quoi? je finis de manger sa danette. Il se démerde. Gros placement de produit là. Oh. C'est ça? Quoi? La danette. Ça serait plus le montage. Moi je pense pas, hein. Je dis manger du chocolat et ça puis c'est bon. Ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Enfin, y'a que le chocolat à manger.
Donc j'ai eu rechercher de l'obsidienne. Moi j'en ai encore masse Arthas, hein, j'ai pas besoin de ah, toi. Ah bah tu peux m'en passer entre et tu peux m'en passer sur. Ok, les... alors t'attends juste l'armure. Que je finisse. Je peux scraper l'armure que oui. Alors. Tu peux me la dropper s'il te plaît. Attends, charge de grave des bottes, voilà. J'ai toute mon armure en obsidienne. Pour ça je me dis, ouais, je te drop un stack, hein. Voilà, donc, mon armure en obsidienne, que je vais aller enchanter d'ailleurs. D'ailleurs, qui est assez enchantable, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, j'ai 36 levels. Hein. On va se faire enchanter au niveau 30 sur Plastron. Elle reste à des petits enchants. 30, j'ai eu un P4. Et là, j'ai plus de quoi faire que ce soit. Ouais, j'ai plus. Donc, on va dans le Nether. Bah, attends, je vais mon armure. Ouais, on va aller un peu dans le Nether. Bah, moi, il faudrait falloir que je prenne un... des flèches, parce que j'ai pas de flèches. Moi, genre, j'ai l'arc de guerre, j'ai le méga arc de la mort. Là. Mondialement. Tu te les craftes? Ouais, un bout de temps. Ouais. Tu l'as montré aux abonnés, la craft? Non. Bah, je vais voir mon point de vue si jamais vous voulez voir. Ouais, pour le craft, faut aller voir pour dire classe. Donc, attends, je vais prendre un flint. Parce qu'on a un briquet. Non, on a pas de briquet. Mais Arthas, les minerais de saphir, faut les étendre quoi. Il y a eu colonne entière. De toute manière, je sais très bien que dès que j'en ai 24, je vais 26, je vais l'utiliser. Ouais. Ouais, il faut sauter pour le trader en haut. Attends. Ah, d'accord, le flint était là. J'avais bien vu le flint, mais j'arrivais plus c'était. Alors, si jamais on a un tout petit peu de fer, hein. Un tout petit peu. Je suis en train de faire. Reboot, tu es où? Ouais, je vais allumer le portail, d'accord. Je vais allumer le portail du Nether. Reboot. Voilà, j'ai laissé la porte ouverte si jamais. Elle est toujours là, je crois. Mais peut-être qu'elle va pas. Moi, je vais me mettre mon. Alors, déjà, c'est full armure. Hein. Si jamais. On devient full armure. Juste avec une armure d'obsidienne. Donc voilà. Là, ça a des portails. Donc, pour ceux qui ne servaient pas, c'est là. Donc, portail du Nether. Allumé. Moi, je lag. Oui, d'accord, j'ai que deux barres de coups. J'arrive pas à l'avoir. Bon, moi, est-ce que je génère le Nether? Oui, bon, allez. Moi, je go dans le Nether, Arthas, pour faire de l'XP. Du coup, t'es AFK. Je vais arriver. On est Arthas. Ouais. Tu déconnes. Viens dans le Nether. Forteresse. Non, mais vraiment, viens dans le Nether. Alors. Je crois que là, on a eu un tout petit peu de chance, hein, honnêtement. Tout petit peu. Alors, désolé pour mon point de vue, je crois qu'on a peu de chunk. Alors, désolé pour ceux qui m'ont point de vue aussi, si je. Dès que je rentre dans le manoir, là, les portes, ça se ferme. Moi, l'Arthas, viens. J'arrive. Meilleur spawn de tous les temps. Dans une photo. Ah, tu verras. Bon, hein, moi je vais déjà faire la sortie. En tas devrait venir. Voilà le spawn. Ah oui, t'avais raison. Bon, seul coup. Ah bah, forteresse. Allez, moi je prends du quartz. Rouge, parce qu'on est dans le désert. Attends, ouais, peut-être j'y. Ouais, en ce temps-là, je prépare quelques petites surprises par-ci par-là. Quand ils reviendront à l'entrée des grandes portes, il y aura un petit cadeau. Oh, je peux faire un blaze. Et encore, je suis sympa d'en mettre. Arthas, tu fais la forteresse quand je fais de l'XP. Ouais. J'essaie de prendre 60 levels. Sans truc qu'on me demande. Ah oui, peut-être. Ah. Déjà. Ça fait plaisir de les one shot. Ouais. Mais j'ai déjà 16 blaze rolls. Alors c'est jamais de la obsidian sword. L'obsidian sword ne fait que 7 de dommages, tiens. Je pensais qu'elle faisait plus. Du sang du boss, je crois que c'est la sacrée. Non, je sais pas, attends, je vais voir ça. La saphir, elle fait 8. Bah si, c'est la saphir, ouais, elle en fait 8. Ouais, l'ender sword également. Ah bah, c'est, je crois que c'est... L'ender sword de l'end, hein. Je me casse. Bah, je pense que tu vas peut-être... On va peut-être pouvoir arrêter la vidéo, hein.
Oui, moi perso, je finis les uns et puis après je. Ouais, bah moi je pense que je vais arrêter tout de suite. Donc pour ceux sur mon point de vue, je vous dirai plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, pour chez moi, chez Arthas. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire qui pourrait peut-être nous aider. Peut-être sur la série, on ne sait pas. Voilà, quoi d'autre? Ouais, bah si vous voulez pas manquer des vidéos de Mothercraft sur deux points de vue, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à plus tout le monde. Allez, à plus.